Waiting for the storm. Et oui, c'est comme ça que Jim Morrison pourrait commencer ce nouveau numéro de The Big Gamowski. Mais on va pas parler musique aujourd'hui, on va se retrouver dans l'univers merveilleux des boulettes et autres shmups qu'on adore tant. On va retourner pas mal d'années dans le passé en fait, avec un jeu qui s'appelle Greenstorm, que je ne connais pas du tout. J'ai jamais parcouru Guardian Storm, voilà le vrai nom complet. Et on va jeter un petit œil sur ce que c'est, parce que bon, le truc date de 1998, donc c'est peut-être jouable. Petit plantage, même. J'arrive même pas à prendre un air surpris. Alors, un Fega, mon Dieu. C'est pas super glamour, mais bon. 1998, vous êtes sûr, les gars? Je suis perplexe. Je suis sans voix. D'accord, tout le monde a tout compris? C'est parti. Non, non, mais je suis resté sans voix parce que je trouve pas que ce jeu fasse 1998, quoi. Je l'aurais mis une décennie plus vieux. Oh mon Dieu, qu'il est speed. Le petit vaisseau là, c'est juste un énervé du bulbe. Alors, si j'ai bien suivi, j'ai un tir chargé que je peux balancer n'importe quand. Et apparemment, j'ai des bombes en dessous. Donc ça devrait pas trop mal se passer. Ah, par contre, si on recharge pas à donf, bah, la blague c'est que on en prend plein la gueule. Ok. Et les boulettes ne s'annulent pas. Ouh, aïe, 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 aïe. Ça va être rapidement fatigant. Donc en fait, faut tout faire au tir chargé, quoi. C'est la traduction de ce que j'ai compris. Ouh, du gros laser, du très gros laser. Alors, ce jeu est super bizarre, parce que il a l'air vachement en retard par rapport à tout ce qui est fait dans les années où il est prétendu être sorti. Mais il n'en demeure pas moins jouable, à condition de prendre bien tous les gros bonus pour avoir un tir de sale enfoiré de l'espace. Faute de quoi, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit problème dans la jouabilité, c'est que si par malheur une boulette vous touche, oui, et ben ça fait partie de ces jeux qu'on a tendance à one credit, pas parce que ça fait plaisir, mais juste parce qu'en fait ils sont relativement injouables si on les laisse faire, si on se laisse démonter la gueule et qu'on perd tous ces bonus de tir. Je pense qu'on va pouvoir vérifier ça dans pas longtemps. Allez, y a plus qu'à. Oh là là, la lisibilité en plus quand on tire. Puis il se déplace beaucoup trop rapidement, ce machin. Il est trop rapide pour être honnête. J'ai même pas vu d'où ça venait. Hop, méga bombe suivante. C'est un peu limite hein, quand même sur la jouabilité, si je puis me permettre. Parce que là, il y a quand même un peu beaucoup de n'importe quoi. Et le fait de pas tirer pour pouvoir garder la super méga sulfateuse de la mort qui pulse, c'est assez étrange.
les vitesses de déplacement du vaisseau sont juste imbitables. Eh oui, j'ai réutilisé ma bonne vieille expression. Et me voilà avec mon petit tir de merde. On va pas être amis avec ce soft, je pense. Alors, il y a des idées, mais sérieux, si ça date de 95-98, c'est passé complètement à côté du trip. Alors oui, je peux augmenter mon vaisseau, super. Donne-moi une bombasse. Non. Oui, peut-être. Bon, j'ai droit à rien. Allez, cassos. Mais j'ai même pas un bouton pour cassos. Ok. Très étrange. Ce tir appuyé là qui... Ouais, les boulettes ne s'annulent pas, c'est... Je suis perturbé. Alors, je ne vous cacherai pas que je sors d'un jeu type Cave où on cancelle des boulettes à foison. Et du coup, je suis complètement perturbé que, quand je me retrouve devant un jeu où les boulettes restent, bon, bien qu'on ait flingué tous les ennemis. Oh. Sorry. Eh ben, continuons. Bon, mais t'as vu que ça se passe pas, ça. Voilà, c'est le truc que j'attendais, c'est... Il va y avoir des passages où ça va être juste l'enfer. Oh, oh, oh. Ça va pas. Ça va pas, monsieur. Monsieur, on se fixe, on se calme. Et on meurt. Ah oui, non, mais pas sur moi. La vitesse des tirs, au secours, au secours, au secours, au secours. Aïe 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 aïe, ça fait partie des strings calvaires, ça, on va dire. Mais il m'envoie une série de boss maintenant, du coup. C'est charmant. Ouais, mais non. Je pense que la borne d'arcade devait pas être réglée pour avoir cette vitesse de déplacement du vaisseau. Parce que c'est juste improbable. Je peux que rigoler à ça. Et là, faut surtout pas se prendre un prunon, sinon... Eh bah, ouais, le tir est cancel. Donc on se retrouve dans la misère totale. Mais bon... Non, des dieux, ça sort de partout, c'est quoi ce bordel? Oh, le tir de partout. Ok, je vois le problème de ce jeu. Il y a un gros problème d'équilibrage sur le gameplay, c'est... On t'envoie les vagues, mais genre... On cherche pas trop à savoir si ça va passer, quoi, si c'est confort. Alors, le but du jeu, d'accord, c'est un shmup, c'est pas d'être confort, hein, c'est qu'on en chie un peu. Mais y a, on chie et on chie. Genre, le fait de se retrouver à poil en armement, quand on fait l'effort... de prendre des risques... c'est très très mal récompensé le joueur, c'est pas très équilibré, c'est pas très fair play en fait. C'est dommage. Parce qu'il est pas laid, même s'il date un peu, quoi, sur son apparence. Je sens que ça va partir d'un coup sans prévenir. Hein. Mais bon, la jouabilité c'est quand même primordial. Et avoir ce genre de produit, c'est un peu chiant. Parce que du coup, on s'éclate pas vraiment. Oh, la vitesse de déplacement, au secours. J'espère que c'était pas ça, la vitesse originale. Est-ce qu'on continue? Allez. Pour le principe, pour la fierté, pour la médaille, pour ramasser des pièces, pour voir ce qu'il y a après, ce dame des trucs, s'il veut bien finir un jour. Avec ses vitesses de déplacement, elle était bien placée, celle-là. Ça me semble mal barré. Ah non, mais c'était pas le boss! Tu n'as rien compris, mon ami! Ouais, la tempête, la tempête. Oh là là, on voit même les cases de... Les cases de motifs derrière, ça c'est rigolo. Wouhou! Mais calmez-vous! Et très honnêtement, je préfère mieux mettre un cave. C'est plus facile à jouer.
Même les boss, quoi. C'est. Et il y a eu un bug. Je crois qu'il y a eu un bug. Merde, au pire quand je ramasse un bonus, c'est pas bien. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Bon, ce jeu est pas terrible, terrible. Là 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 là. Sera-t-il validé? Ben, je ne pense pas, non, parce que. C'est pas vraiment fun, quoi. C'est. Je sais pas comment exprimer ça, c'est étrange. Je vais re-regarder la date en fin de stream quand même, pour être sûr, parce que c'est. Moi, ça me rend complètement perplexe, quoi. Qu'il y ait autant de déséquilibre sur le gameplay. C'est quoi ça? Trop le piège à con. En fait, faut bien penser à recharger sa jauge, parce que sinon, c'est le début de la fin, quoi. Vitesse de tir, les gars, faut se calmer là. Moi, je peux pas là. Je peux pas passer au milieu de ça. Et me revoilà avec le petit tir de merde. T'as juste envie de te mettre au-dessus du truc et de lui mettre des bombes, ça se piquerait, quoi. Non, mais je dis le fond de la pensée parce que tout le monde pense tout haut ça à chaque fois, mais personne n'ose le dire. Donc, oui, quand un jeu te saoule en général, tu ne veux plus jouer comme il faut. Tu te mets à jouer comme un crado. Et donc tu fais n'importe quoi parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hop, goodbye. Goodbye toi aussi. Eh oui. Bah, fallait penser. Hein. Ah, mais il est pas fini en plus. Il ne pouvait plus tirer le pauvre, mais il était pas fini. Ah, par contre, ses collègues derrière étaient arrivés en renfort déjà. Non, mais. Ouais. Petit jeu, on va appeler ça. Petit jeu. Alors, faut que je regarde par qui c'est fait quand même. Si la boîte est connue. Parce que ce serait quand même marrant que ce soit fait par des gens qu'on retrouve plus tard dans des gros titres. Alors que ce machin a des gros gros problèmes de jouabilité. À la limite, ça veut dire, bah, ils ont retenu la leçon, ils se sont dit, ah, bon ça c'était nul, on change. Ça pareil, on va faire ça, ça ira mieux. Parce que là, c'est. On dirait un premier soft d'une boîte, quoi. Genre, ils ont vu chez les autres qu'il y avait plein de trucs qui fonctionnaient super bien, ils se sont dit, ouais, mais on va faire le nôtre. En faisant un peu pareil, mais pas pareil exactement. Ah, mais meurs, meurs, meurs tout de suite, quoi. Voilà, je vais même pas t'entendre souffrir. Je vais te pulvériser à coups de bombasse. Oui et non, bah, mettez-le dans vos archives, je pense. Pour la sélection, c'est râpé. Pour le top, on n'y pense même pas. Et ce qu'il faudrait, c'est comment dire, le mettre sur le dessus, dans le coffre qui est tout au grenier, qu'on n'ouvre jamais. Dessus, ça serait une bonne place pour lui. Il y aurait une grosse blague là, je sens. Allez, hein? De toute façon, j'ai pas l'intention de continuer bien plus loin. Donc, on va bombasser allègrement, histoire d'avancer un peu. Mais on va pas chercher à comprendre, parce que on est trop bête. C'est le principe du jour. Je ne veux pas comprendre, je suis trop bête. C'est comme ça que ça marche. Hop, non, dès que ça bouge trop, moi je bombe, monsieur. Alors j'en ai plus maintenant, ça va pas être drôle. Mais bon. Qui aime le risque. Au revoir. Et qui c'est qui a trois bombes à nouveau? Ah, purée de purée de purée de purée.
La lisibilité est totalement affreuse. Non, je ne continuerai pas, c'est très gentil, mais là, je crois que j'ai un bus à prendre. Ou alors, je sais pas, des choses à... Oh là là, la vaisselle! Il faut que je fasse la vaisselle, vite! Non. Non, plus jamais. Je m'en vais. Adieu. Alors voilà pour ce petit stream tardif. C'est quelle heure? 3h46 du matin quand même, c'est pas mal. Ce petit stream tardif sur ce jeu Guardian Storm de 1998, par une boîte sortie de on ne sait pas trop où, qui apparemment ne savait pas trop y faire, mais qui avait de très bonnes intentions. Le problème, c'est que de passer de l'intention à la réalisation, c'est tout un travail et des connaissances qui sont nécessaires pour que le jeu soit jouable à la fin. On va pas prolonger ce stream plus loin, j'ai fait mes 5 minutes largement, oh oui. On se retrouve demain pour un autre stream sur un autre jeu, en espérant que ce soit pas un shoot. Hein? Vous êtes comme moi, vous en avez un peu marre là. Je regarde le service comptabilité. On peut avoir un jeu récent? Ah ouais. Je ne vous fais pas la mimique qui vient de m'être transmise à partir de géométrie faite avec la main, un doigt en particulier. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao.